Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le sixième épisode de Age of Empires 3, acte 1. Alors, quelques petites informations avant toute chose. J'ai changé de PC au moment où je tourne cet épisode, c'est-à-dire que j'ai transféré j'ai quand même transféré sauvegarde. Mais j'ai changé de PC, je suis passé d'un PC portable à un PC fixe, donc il devait y avoir un moins de bruit de fond dû à la ventilation parce que mon PC fait très peu de bruit, c'est génial. La résolution aussi a changé, je suis passé d'une carte graphique à une carte graphique supérieure, donc je peux tout mettre au max, même sur des jeux super récents. Et donc ça peut se voir, et puis je suis passé en 1920 par 1080, ça vous le verrez pas, parce qu'à la limite, la résolution change pour lors de l'update sur YouTube. Deuxième chose à dire à propos de ce changement de PC, donc il y a moins de bruit de fond dû au ventilateur, mais j'ai pas pu m'acheter de souris en fait, m'acheter cette souris et de clavier, donc j'ai des petits problèmes. Disons que là, vous entendez sûrement la souris quand je clique dessus, et pareil pour le clavier quand je tape. Alors le tapage au clavier, ok, ça sera pas un problème parce que j'en ai pas trop besoin dans le jeu, mais le problème c'est la souris quoi. La souris va faire pas mal de bruit, j'en suis désolé par avance. J'attends d'avoir un peu plus de sous parce que j'ai complètement claqué, j'ai plus rien du tout, pour m'acheter une souris qui fasse pas de bruit. Voilà. Mais bon, comme il faut que je sorte des épisodes, je suis obligé d'en tourner. Allez hop, on est reparti. Alors du coup, ça fait un peu de temps que j'ai pas joué. On va bien voir, mais je sais plus dans quelle mission on était. Je suis désolé d'avoir oublié ça. Alors. Ah oui, c'est vrai, je vous avais laissé juste avant, enfin juste au début de cette partie. Alors là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est atteindre 8000 points d'expérience avant que Lizzie ne parte pour la Floride. Et ben auquel cas, il faut faire des missions. Ah oui, on va protéger les colons. Ouf, ça doit faire mal. Allez, dépêchez-vous. J'ai envie de me... Ce que je... Si je me souviens bien, je vais avoir besoin de ces colons. Boum. Boum. Ça, c'est fait. Merci, mes amis. Voilà, ça y Soyez est. bienvenus à la Havane. On a quelques colons supplémentaires. Pardon. Excusez-moi. D'accord, construisez la première écurie de la Havane. Alors. Cette région et reconstruisons-y un comptoir. D'accord. Mais soyons prudents, au cas où il y aurait d'autres indigènes hostiles. Donc, une cavalerie. Ça, c'est bon. Est-ce que j'ai un centre-ville? Oui, j'ai un centre-ville. J'ai combien de ressources? J'ai pas tant que ça. J'aimerais bien passer à l'âge supérieur. Ça va pas être possible, j'ai pas assez de cavalerie. Ce que je compte faire... Déjà, on va améliorer le moulin parce que vu que tout le monde travaille au moulin, ça serait déjà un peu plus intéressant de les améliorer. Ce que je peux faire, alors je vais construire ça, je vais construire l'écurie, je vais faire des unités de cavalerie. Je vais attaquer en attendant que la nourriture et l'or montent parce qu'il va falloir pas mal de ces deux-là pour passer à l'âge numéro 3, l'âge de forteresse. Une fois l'âge numéro 3, je pense que du coup j'améliorerai les ressources. Puis surtout, je pourrais améliorer mes unités tout court en fait. À faire quelques hussards. Même si c'est pas très... comment dire? Ça fait pas très Caraïbe. On a une église. Ouais, donc il faut pas mal de ressources quand même pour passer à l'âge supérieur. Animaux chassés, amasse le bois, ça je m'en fiche. Ça peut être cool. Amasse les pièces issues des mines plus vite. Attaque des villageois accrus. Allez, allez, à fond. Oula. Il y a eu un gros bug. Ouais, surtout que je suis en train de me faire défoncer quelques hussards, il y en a un qui a pas très bien en point. Donc 8000 points d'expérience, ouais, ça va être tranquille. C'est pas très compliqué. Alors, on y va. On va essayer d'attaquer un peu. Je suis pas sûr qu'avec tout ça, ça suffise, mais on verra bien. Minorifère terminé. Là, il y a quoi? 50 expérience, à la limite, je m'en fiche, parce que 50 expérience, ça va vite. Alors. Là, il y a quoi? 50 expériences aussi. Il y a quelques lanceurs à Sarbacane ici. Je vais attaquer. Oula! Oui, il y a du monde. Heureusement que j'ai de la cavalerie parce que.
Y a moyen que t'attaques là? Tu fais ton super coup là. Boum! PGM de la mort qui tue. Alors, bon. Après ce dernier lanceur, ça c'est bon. Hop, on refait un comptoir. Ok, ça c'est bon. Oups. Il va pas y arriver tout seul, hein. Effectivement, là, il n'y arrivera pas tout seul. Allez, allez. Vite que ça. Il y a du monde, hein. Plus que 4. Par contre, je perds des unités. S'il m'attaque, ça va pas être cool. Hop, 5 hussards de plus. Par contre, j'ai plus du tout de ressources. Et je n'ai pas non plus de... d'arrivage de la de ma métropole vu que je suis pas censé être ici, donc je n'ai pas de navire, c'est un peu embêtant. Ok, construction du comptoir terminée. Beaucoup fait ici, Morgan. Ouais. Rendez-moi un service. Ce petit indigène près de moi doit rejoindre sa famille sain et sauf sur l'île voisine. D'accord, faut que je balade jusque là-bas. Les indigènes qui ont volé son canoë. Quand vous l'aurez, utilisez-le pour rejoindre l'île. Attends, faut carrément que je retrouve un bateau. D'accord, faut que j'aille jusqu'ici. Oh bordel! Oh bordel de Dieu! Vite, ma cavalerie! Oh la vache! Ouh! Heureusement qu'il est là avec son super sort, hein. Allez attaquer là parce que oh là là je me fais décimer. Faut vraiment que je fasse plus de d'unités cavalerie. Mais j'ai pas assez de paysans. On va essayer de voir si on peut pas choper le bateau. Je vais faire quelques paysans de plus parce que là, ça suffit pas du tout. Ça ne suffit point. Alors. A choper son bateau à la noix là. Oh ça va, ça devrait aller. Surtout que j'ai mon sort. Oups, j'ai un 10, ça va peut-être pas passer. Allez, fais ton super sort au beau milieu. Ah non, mais au beau milieu j'ai dit, pas à côté. Ça a tué deux unités. Paye ton efficacité toi. Hein. Ça y est, j'ai le canoë. Bon allez, je vais balader le canoë jusque là. En espérant qu'il se fasse pas exploser le canoë. Il me reste 18 minutes pour faire... attendez, c'est 8000 l'objectif. 8000 points d'expérience. Ok, bon bah ça doit aller. Alors, des colons. Hop, quelques colons de plus. Je vais en avoir besoin, je vais vraiment en avoir besoin parce que là, vu la vitesse à laquelle ça monte, je n'ai pas fini. Donc, toi, je vais te faire monter. Il est où ton bateau? Il est déjà arrivé. Bon, ok. Bateau indigène américain. Ok. Il y a moyen de faire monter plus que 3 Gugus. Enfin, plus qu'un seul. On va essayer. Ah ouais, normal. C'est un canoë super tanker. Bon, pourquoi pas. Alors. Hop, à la nourriture. J'ai besoin de beaucoup de nourriture. Je viens de passer la barre des 1000 pièces d'or. Ça suffit. Allez, à l'attaque. Toi par contre tu te fais pas buter, hein. T'as intérêt à pas te faire tuer. Surtout que là j'ai laissé l'île sans protection, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais enfin. Alors, là il faut que je fasse un comptoir encore. Il y a moyen que tu rentres chez toi directement? Ouais, ça y est. T'es directement rentré chez toi. Puisque vous avez aidé mon peuple, je vais aider le vôtre. Au sud,
Des hommes munis de grands canons ont volé un objet sacré. Ok. Récupérez-le, et les Indiens Caraïbes n'attaqueront plus votre village. Ah, ça serait une bonne nouvelle, ça. Ces guerriers vous aideront à combattre. Ah bah, c'est gentil. Guerilla séminole. La tactique séminole spéciale de destruction de l'infrastructure ennemie signifie que les tireurs à l'arc d'un requin causent des dégâts plus importants aux bâtiments. Allez, mais je m'en fous. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de bâtiments. Technique séminole de fabrication des arcs augmente les dégâts causés par tous les archers. Ça, ça peut être cool. Surtout que j'ai juste assez pour passer à l'âge supérieur. Hop, hop, 8 piquets. Ouais, allez, hop, 8 piquets, au moins ça protégera. Est-ce que je peux faire quelques hussards? Bah non, je n'ai plus assez de pièces d'or. On va faire 100. C'est quoi ça? Ah bah oui, c'est tireur arcadon de requin. Allez, on va essayer. Donc ils ont un gros canon. Trésor, il est bizarre leur trésor. Il est où leur canon? Allez, fais-moi ton super sort là. Tu peux y aller. Voilà. Oh, ah. Unité de cavalerie. Défoncez-moi ça. Bah. Il est carrément disparu le. Ouais, d'accord, j'ai plus de cavalerie. Allez, dépêchez-vous. Bon bah ça va, c'est assez efficace quand même ces tireurs d'arc à un requin. Par contre Morgan Black il a morflé hein. Pop pop po. 500 expérience, ok. Morgan Black, vous êtes fait un nom ici. Déjà? On disait Morgan jusqu'à Lizzie avant qu'elle n'apparaisse. Oh la vache, j'ai pas fait les 8000 là, j'ai fait moins. Oh c'est bizarre. Bon, pourquoi pas. Ça allait plus vite que ce que je pensais. Allez hop, on rentre. C'est parti. On prend le canoë super tanker et on ramène tout le monde. Ah bah du coup, j'aurais passé à la H3, ça m'aura servi à que dalle là. Bon, bah c'est pas grave. C'est point grave. Oh bah, plein de piquets en plus. Si tu pouvais débarquer, s'il te plaît. Alors, t'es où? T'es là. Allez. Morgan Black. Que vos hommes montent à bord. Je vous emmène en Floride. Ah bah voilà. Bon. Bah, ça s'est bien passé finalement. Amélioration de métropole. Oui, je sais. Alors. Est-ce que j'ai une nouvelle carte? Oui, j'ai une nouvelle carte disponible. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? 7 Rodelero, 4 lanciers, 3 lanciers, pardon, finalement, décidément, à chaque fois qu'il y a un chiffre, c'est celui d'en dessous. 4 lanceurs d'arceaux, 2 Focono, là, chargement de guerriers indigènes de chaque tribu alliée, ça peut être cool. Point de vie des villageois considérablement accru, envoie 2 chirurgiens, à la limite, je m'en fous, c'est là je m'en fiche. J'aimerais bien, c'est celui-là. H10, enfin niveau 10 requis pour la métropole, ça permet d'envoyer un fort directement, un chariot de fort qui construit un fort directement. C'est absolument génial. Alors, ouais, source de pièces, ça peut être pas mal. Au moins j'aurai les 3 de base, voilà. Personnalisation à la limite, on s'en fiche. Et on y va. Morgan met le cap sur la Floride accompagné de la pirate Lizzie dans l'espoir de rattraper le conquistador espagnol Delgado avant qu'il ne parvienne au lac de la Lune, au Lago de la Luna. On est en plein bayou, les côtes de la Floride. Hé, hey, les Espagnols, la flotte ne doit pas être loin. Qui est-ce? Mon commandeur, Alain. Il a dû avoir mon message. Bravo, excellent travail, Morgan. Vous avez fait tout ce que je vous avais demandé. Je vais empêcher les Espagnols d'atteindre le lac. Que dois-je faire? Prenez leur flotte. Nous utiliserons cet or si mal acquis pour reconstruire notre chevalerie. Attendez une minute, vieil homme. Elisabeth, laissez-moi m'en charger. Morgan, quand cette affaire sera terminée, il faudra absolument que nous discutions du choix de vos amis. Sympa. Yeah.
La flotte des trésors espagnols. Les Espagnols ont des fortifications tout le long des côtes de Floride. Explorons la région pour débarquer en lieu sûr. Galion espagnol en Oui, chef. Paré au combat. Oula, ouais. Boum. Hop, celui-là c'est fait. Capturer le navire à trésor. Ok. On fait des bordées, ça défonce énormément. J'adore comment ça explose quand même. C'est super bien fait. Moi je trouve que le réalisme du coup de Age of Empires prend un bon coup de boost grâce à ça. Alors, capturer le navire à trésor. C'est tout? Ok. Navire à trésor qui est ici. Et ben on y va. Alors là, il y a quoi? Il y a... Donc il y a quelque chose d'intérieur. Il y a moyen de bombarder d'ici. Je sais pas. Non, je me fais juste défoncer. Ah si, je crois qu'il y avait moyen. Vous savez quoi? J'ai débarqué directement ici. Hein. J'ai pas à m'embêter. Ah cool, j'ai un chariot de... J'ai un chariot de centre-ville. Un chariot bâché. Attendez, il faut que je trouve un endroit. À la limite, est-ce que ici ça serait pas cool? Est-ce qu'il y a un endroit à pièces d'or? Une mine. Voilà, cherchez le nom. Des prisonniers à K. Libérez-les. Encore des prisonniers. Des prisonniers à K au bayou. Ah ouais. On est en pleine Floride, mais il y a des Incas. Là, par contre, niveau réalisme, moyen. Ouais, il n'y a pas de zone de pièces. À la limite, on va faire 100. Allez, hop. On va faire 100. Et nous, on va attaquer ça tranquillement. Attendez, non, il y a un problème. On va pas faire ça. Hop. C'est ça que vous allez attaquer. D'abord, l'avant-poste. Ah. Donc, on a le centre-ville. On va défoncer avant-poste. Déjà. Bon, ok. Alors, 3 ici. Bah, du coup, 3 ici. Mais toi, bah, nourriture. Hein. J'y peux rien. Félicitations, vous avez capturé vos premiers navires à trésor. Alors, chaque navire que vous contrôlez peut générer des pièces. Plus en contrôlez, plus vite vous générez de pièces. Dans Age of Empires 3, vous pouvez générer d'autres ressources. Comme de l'expérience, lorsque vous jouez, le jeu génère constamment des points d'expérience pour gagner de nouveaux chargements et de l'amélioration de votre métropole. Ah d'accord, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de mine, parce que c'est toi qui génères des pièces. 3 par seconde. Sympatoche. Boum. Oh la vache, ils étaient beaucoup à l'intérieur. C'était quoi? Guaminka. D'accord, capturer un total de 6 navires à trésor. Ah, hey, oh, pas vous. On a rien à foutre de vous. Quand on est à coupage du bois. Alors, là-bas il y a un fortin. Ça serait intéressant de s'en occuper. On va se mettre ici et puis je vais attaquer à coup de mortier. Il va falloir que tu te déplaces un peu plus vite. Voilà, mets-toi en mode mobile. Des colons. Je peux passer à la supérieure, oui. Non. Je peux pas. Ah bah attendez, j'ai 2 chargements. Ça peut être utile de les demander. Les moulins, ça passe encore. Hop, hop, je vais prendre ça et ça. Ça va bien. Alors. Défoncez-moi ces palissades. Nous vous montrerons. Ah la vache, ils sont quand même un paquet à l'intérieur. Hein. Bon, ok. Move on. Bon, la bombarde, elle suit. Ah bah d'accord. Donc directement, j'ai les... Oh, il y a un fort. Oh, nom de Dieu. Oh, c'est pas la porte à côté, quand même. Il en faut 6. J'en ai 1, 2... Ah, déjà.
Bon bah ça risque d'être pour la prochaine fois. Bah tiens, j'ai un chargement supplémentaire, et ben 4 colons, hop. Voilà voilà, j'espère que ça vous aura plu. Désolé pour les bruits de la souris, vu que j'ai changé de... Tiens, tuer Delgado, l'objectif secondaire. Vu que j'ai changé de PC, j'espère rapidement me trouver une souris. Mais pour l'instant ça va pas. Je suis désolé si ça a fait trop de bruit. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Même si c'est un peu le foutoir en ce moment sur YouTube. Oula, il y a mon père qui se met à jouer de la musique. Oh, je fais vite. Et ben, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous avez envie. Laissez des commentaires dans la vidéo. Et puis à la prochaine, salut à tous!